Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Présidentielle 2021 au Bénin, le duo de candidats FCBE investi, c'était au cours du Conseil national du parti ce jeudi à Cotonou. Nous en parlerons dans ce journal. Thérèse Cora, première adjointe au maire de la commune d'Abomey-Calavi, est allée sensibiliser les femmes de Toba sur la nécessité du respect des gestes barrières pouvant limiter la propagation de la COVID-19, le point dans cette édition. En interactualité, l'Algérie durcit une fois encore l'accès à son territoire pour endiguer l'épidémie du COVID-19, une décision qui touche les habitants des pays voisins. Voilà pour le sommaire, voilà pour les titres de cette édition. Merci de nous préférer. Voici le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal par le duo candidat de la force Kori pour un Bénin émergent. Alassane Soumanou et Paul Rompuy ont reçu l'onction du parti pour la présidentielle du 11 avril 2021. Le duo présidentiel a été officiellement investi en présence de plus de 300 délégués venus de toutes les circonscriptions électorales. C'était au cours du Conseil national du parti dans la soirée de ce jeudi 24 février 2021 à Cotonou, autour du thème Le consensus comme valeur de gouvernance pour l'unité nationale. Reportage Kano François Mbédéréntor, Denis Maroya. C'est ce tête qui a donné le top aux activités entrant dans le cadre du Congrès national lors de la force Kori pour un Bénin émergent, FCBE, qui s'est tenu ce jeudi 25 février au Palais des Congrès de Cotonou. Venus des quatre coins du pays, les militants ont affirmé une fois encore leur attachement au choix du duo présidentiel proposé par les responsables du parti. Ils se disent prêts à combattre le régime en place car se réclamant de l'opposition, comme le confirme ici le colistier Paul Rompuy. Notre parti, la force Kori pour un Bénin émergent, a une histoire et reste le plus grand parti politique en République du Bénin. Nous sommes de l'opposition. Nous sommes reconnus partie de l'opposition avec notre récépissé. En plus, nous sommes chefs de file de l'opposition. Nous avons participé aux élections communales et nous voilà sur le chemin de la présidentielle. Il revient à vous, militantes et militants, chacun avec ses capacités, de sortir autant d'électeurs que possible pour la victoire au soir du 11 avril prochain. Pour y arriver, il est de bon ton de tendre la main à toutes les formations politiques qui ne se retrouvent pas dans la gestion clanique de la rupture. À cette grande assise, des langues se sont déliées à telle enseigne qu'après l'investiture du duo candidat, Alassane Soumanou Diemba, qui est au poste de président, a affirmé qu'au soir du 11 avril 2021, les candidats de la FCBE ouvriront les portes du palais de la Marina. L'alternance est possible. Le changement est possible. L'alternance est possible. Parce que nous avons décidé ensemble de préparer le peuple béninois à l'alternance démocratique présidentielle 2021. Oui, nous sommes une force d'opposition. L'opposition ne se proclame pas, elle se vit. Alors, je vous parle, nous sommes déjà au portail de la Marina. Nous sommes au portail de la Marina et le peuple nous accompagnera à ouvrir grandement les portes le 11 avril 2021. Une fois investi, le mot d'ordre a été donné aux militants, celui de faire gagner le duo représentant le parti pour la présidentielle du 11 avril 2021. Je vous l'annonçais en titre, visite au centre de santé de Toba de la première adjointe au maire de la commune d'Abomey-Calavi, Thérèse Cora, est allée sensibiliser les femmes sur la nécessité du respect des gestes barrières pouvant limiter la propagation de la COVID-19. Kano François Mbédéréntor, Damien Pedro. Thérèse Cora,
première adjointe au maire de la commune d'Abomey-Kelavi, s'est rendue au centre de santé de Touba ce vendredi 26 février 2021. Accueillie par le personnel et les usagers et ayant à ses côtés le chef d'arrondissement, elle a expliqué le bien fondé de sa visite. Je ne suis pas venu pour un contrôle, mais plutôt pour vous apporter un plus dans la sensibilisation de l'amélioration de vos prestations que vous donnez déjà bien. Je vous prie de prendre soin de vous-même en respectant les mesures barrières de la pandémie du COVID-19. Car si vous vous portez bien, vous réserverez un accueil digne à vos patients. L'occasion a été meilleure pour elle de prodiguer quelques conseils aux femmes rencontrées. Chère maman, je vous invite à vacciner vos enfants pour les mettre à l'abri des maladies infantiles qui ont une répercussion grave sur la croissance de vos enfants, car notre pays a besoin d'une population en pleine forme disposant de leurs facultés pour apprécier les changements de qualité qui s'opèrent autour d'elles. Je vous prie de prendre grand soin des enfants, surtout qui vont à l'école, en leur expliquant les mesures barrières, à savoir le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon à chaque instant, la distanciation partout où ils se trouveront sans vous. Après cette étape, l'autorité municipale a laissé libre cours aux femmes d'exprimer leurs doléances, lesquelles seront prises en compte, a-t-elle promis. Autre information dans ce journal, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication Alain Orunla, prévient contre les incitations à la violence via les réseaux sociaux en cette période électorale. Plus de précisions dans cet élément que je vous invite à suivre. Je voudrais vous rassurer et à travers vous, le peuple béninois, ainsi que l'opinion que le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront inévitablement de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du numérique interdit l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. C'est l'occasion pour le gouvernement d'exhorter tous les acteurs politiques et par-delà eux, tous nos concitoyens, à promouvoir des comportements républicains, des comportements de paix. Car nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes ou de privilégier des modes de règlement pacifiques, s'emploie plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans notre pays. C'est notamment dans ce cadre, comme vous avez pu en avoir écho, que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a entrepris d'écouter certaines personnes dont l'activité suspecte et les agissements répréhensibles commandent qu'elle s'explique devant la justice. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer nos compatriotes, pour garantir un processus électoral paisible et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de troubles ou de violences à l'occasion de ces élections à venir.
Le tronçon à Kassato-Alada dans la commune d'Abomey-Calavi devient de plus en plus dangereux. Des cas d'accidents mortels fréquents y sont observés. Les riverains et usagers demandent l'aménagement du dit tronçon pour limiter les dégâts. Suivons le point de la descente sur le terrain de Laurent Roland Tonnet-Ikès et de Jean-Baptiste Bocon. Voici ce qu'est la route nationale inter-État numéro 2. Une route qui part de la ville de Cotonou pour la frontière nigérienne. À un moment donné, sur le tronçon, on se croirait dans une rue de quartier. La double voie qui quitte Cotonou s'arrête à quelques encablures du carrefour Missisinto. Et ici commence le calvaire des usagers. C'est tellement exigu qu'à des moments donnés, quand il y a un choc, il y a un accident sur la voie, ça crée vraiment un embouteillage terrible, à telle enseigne que c'est un casse-tête pour la police républicaine. Pas plus tard que 10 jours, je crois, et il y a des frères, même pères, qui sont étudiants, qui allaient au cours au campus. Ils sont de Zé, selon mes informations. Ils allaient au cours et ils ont été percutés par un gros porteur qui ramasse du sable. Et les deux jeunes ont rendu l'âme. Tout le temps, c'est l'accident sur cette voie-là. Cette voie était petite. On croyait que depuis que le président était arrivé, le gouvernement va nous aider pour l'agir ça. Jusqu'à présent, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il n'est qu'à nous aider pour venir nous arranger ça. Parce que ça crée l'accident trop, chaque jour. Chaque jour que Dieu a fait. Voilà, c'est l'accident. Les cas d'accident constituent le quotidien des usagers et riverains de ce tronçon. Depuis l'aménagement du seul côté qui facilite le trafic, les populations espèrent toujours que le second côté soit aménagé pour limiter les cas fréquents d'accidents. Bon, évidemment, cette voie, elle est vraiment primordiale. Moi, depuis qu'il avait fait ce côté, qu'on n'a pas fait le second côté, c'est un souci pratiquement pour tout le monde. Usagers, motocyclistes, automobiles et gros porteurs. Et à l'endroit des autorités, j'aimerais leur dire de penser à la seconde voie pour que ça puisse être fluide. Nous ne refusons pas qu'il y ait des accidents, mais je crois que la réalisation de cette deuxième partie va un peu amoindrir les accidents. Mais au-delà de l'exiguïté de cette voie, se pose le problème d'incivisme des conducteurs et motocyclistes. Les sensibilisations et les répressions pourraient permettre de limiter les cas d'accidents. En interactualité, 2 morts et près de 470 arrestations. C'est le dernier bilan annoncé par le ministère de l'Intérieur après les affrontements survenus à Niamey, la capitale. En cause, l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle. Retour sur les événements avec nos confrères de la RT. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 501 459 voix. Soit 55,75%. Des résultats provisoires contestés et un pays dans le chaos. L'annonce de la victoire de Mohamed Bazoum aux élections présidentielles par la commission électorale n'est pas acceptée. Le candidat d'opposition, Mahaman Ousmane, a revendiqué avoir remporté le scrutin. La compilation des résultats des PV en notre possession, à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote, nous donne gagnant avec 50,30% des voix contre 49,70% pour le candidat du pouvoir. Des annonces qui contredisent les résultats provisoires et qui font planer un doute sur la légitimité des élections. Selon Mahaman Ousmane, la victoire de son adversaire, fidèle du président sortant Mahamadou Issoufou, n'est pas justifiée. Plus encore, selon le candidat d'opposition, les chiffres prouvent une véritable corruption. Agadez, à l'exemple de la circonscription de Timia, où un taux de participation de 103% a été rapporté avec un score de 99% en faveur du candidat du pouvoir. Dans ces zones, nos délégués ont été contraints, sous la menace d'armes à feu, à signer les PV sans aucune possibilité de porter des observations. Et cette prise de parole diffusée mercredi matin et dont les chiffres n'ont pas été authentifiés a été suivie par plusieurs manifestations dans le pays. C'était notamment le cas dans la capitale, Niamey, où une station-service a été vandalisée. Et des affrontements entre protestataires et forces de l'ordre ont également éclaté. Le dégât qu'on a fait, c'est à cause du résultat qu'il a mis.
C'est la cause de résultat qu'on ne veut pas. On a dit quand Bazoum n'a pas venu de première position. C'est à cause de ça qu'on a sorti. On est sorti pour faire des gars. C'est pour cela. Parce qu'on ne veut pas le Bazoum, on ne veut pas. Même demain, on ne veut pas le Bazoum. L'accès au réseau Internet a quant à lui été considérablement réduit dans les villes de Niamey et Zinder, sans explication apparente. Et si pour le moment les résultats des élections présidentielles ne sont que provisoires, l'objectif initial est loin d'être atteint. En effet, c'est la première fois depuis 60 ans qu'un président va succéder à un autre président élu démocratiquement. Reste à savoir qui de Mohamed Bazoum ou de Mahamane Ousmane récupérera la tête du Niger et pourra rassembler un pays qui semble divisé. C'est désormais à la Cour constitutionnelle de trancher. Près d'un an après son isolement avec le reste du monde, l'Algérie vient de durcir une nouvelle fois l'accès à son territoire pour endiguer l'épidémie du Covid-19. Les habitants des pays voisins, notamment Tunisie, des jeunes impactés par la crise sanitaire, semblent de plus en plus désemparés face à cette situation. Des montagnes et des forêts à perte de vue, loin de l'agitation de la capitale. Au nord-ouest du pays, à la frontière avec l'Algérie, Tabarka et Indram semblent comme figés. Cette région de villégiature, prisée pour son calme et son tourisme écologique, sombre jour après jour dans la détresse économique. Hôteliers, artisans et commerçants ferment à tour de rôle face à l'absence de touristes due à la crise sanitaire du Covid et plus particulièrement à l'absence des voisins algériens qui représentent près de 50% des touristes de la région. Sami Benjabala travaille le bois depuis plus de 10 ans. Ses créations artisanales, il les vend sur la route, point de passage entre l'Algérie et la Tunisie. Depuis près d'un an, ses créations prennent la poussière et les clients sont devenus très rares. Comme beaucoup d'artisans de la région, il craint de devoir fermer boutique. Depuis la fermeture des frontières au mois de mars de l'année dernière, notre activité a énormément baissé. On travaillait beaucoup avec nos voisins algériens, du coup aujourd'hui on ne travaille quasiment plus. En plus des Algériens, on travaille également avec les touristes étrangers, notamment des Européens. Mais tout ça c'est fini, il n'y a plus de travail. Il arrive parfois que je ne vende aucune pièce pendant toute une semaine. Il ne nous reste aujourd'hui plus que la patience. Le Nord-Ouest compte une dizaine de grands hôtels qui font vivre une grande partie de la région. Depuis la révolution de 2011, puis la crise du Covid, près de 4 grands complexes ont fermé leurs portes. Kamel, Naïma et Laïla font partie de ces dommages collatéraux. C'est le cœur serré qui déambule sur cette promenade, autrefois bondée de touristes. Au chômage technique, ils regrettent la fermeture des frontières avec l'Algérie. Nous sommes au chômage technique depuis septembre et bien avant septembre même. On n'avait travaillé que juillet et août depuis le début de la crise au mois de mars. Depuis la fermeture des frontières avec l'Algérie, les conséquences se sont alourdies car les Algériens passent toujours par notre région, pas seulement pour les vacances mais aussi pour faire leurs achats et profiter de nos marchés. Du coup, les magasins fonctionnent, les hôtels fonctionnent et même les petits commerçants. Les épiciers et les vendeurs de légumes profitent de cette clientèle algérienne. Depuis cette fermeture, les conséquences sont lourdes pour tout le monde. Une situation compliquée pour ces professionnels du tourisme qui dénoncent l'inaction du gouvernement face à cette crise économique qui paralyse la région. Sur les 4 hôtels qui ont fermé, on ne comptait pas moins de 700 salariés. C'est un secteur qui nourrit beaucoup de familles ici. Alors aujourd'hui, que fait le gouvernement? Où est l'État? Il est complètement absent. Nous souhaitons que le chef de gouvernement prenne enfin ses responsabilités et trouve rapidement une solution à cette crise que nous vivons ici. Depuis la révolution, et encore plus à cause de la crise du Covid, beaucoup sont au chômage, sans aucune indemnité. Du côté des autorités, représentées par l'Office du tourisme, on tempère. Pour le commissaire régional au tourisme, Covid et absence d'Algériens ont certes eu un impact sur l'économie locale, mais le bilan est loin d'être alarmant. Selon les statistiques, les touristes algériens d'avant Covid représentaient environ 2 800 000 personnes. Parmi eux, 1 200 000 transitaient par la frontière avec Tabarka. Nous avons constaté en 2020 une influence négative sur l'économie de la région, notamment depuis que notre voisin algérien a fermé ses frontières. Les touristes algériens avaient un grand rôle sur l'économie de notre région. Nous avons remarqué que beaucoup de petits commerces et artisans avaient un contact direct avec ces voyageurs, qui avaient l'habitude de s'arrêter fréquemment dans leurs stands.
Ils souffrent aujourd'hui de cette fermeture. Alors que les frontaliers des deux bords espéraient une réouverture prochaine, le gouvernement algérien vient de décider subitement de durcir les mesures d'accès à son territoire depuis la découverte d'un variant sur le sol tunisien. Alors que seuls les travailleurs et les marchandises munis d'une autorisation de déplacement pouvaient encore circuler entre les deux pays, cette nouvelle mesure vient compliquer la situation déjà très fragilisée. Un coup dur supplémentaire pour des milliers de transfrontaliers déjà durement touchés par la crise du coronavirus. Les pays de l'Union européenne veulent lutter ensemble contre la Covid-19, une volonté affichée ce jeudi lors de leur première journée de sommet mensuel, alors que de nombreuses décisions ont été prises localement. La question de la vaccination reste au cœur des débats. Suivez. Face aux politiques nationales, l'Union européenne réaffirme sa position. Les dirigeants européens ont rappelé à l'issue d'un sommet tenu en visioconférence leur projet d'avancer ensemble. L'objectif, contrer une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19 avec une politique commune. Près d'un an après les premiers confinements, l'UE sait qu'elle doit faire face à une crise sanitaire, mais aussi sociale. Les citoyens sont de plus en plus fatigués du Covid et l'année a été très éprouvante. Mais nous ne devons pas relâcher nos efforts maintenant. Non seulement la situation reste grave dans de nombreuses régions d'Europe, mais nous devons aussi faire attention aux variants qui se répandent. Il y a donc beaucoup de défis à relever devant nous. Ce jeudi, l'Union européenne a rappelé que les efforts de ses pays membres doivent être uniformes dans la stratégie de vaccination. Un plan pour faire face à la montée en puissance des variants, notamment britanniques. Confiante quant à la distribution des prochaines doses par les laboratoires, l'UE veut vacciner une grande partie de la population. Nous sommes convaincus que nous sommes capables d'atteindre notre objectif, qu'à la fin de l'été, nous aurons vacciné 70% de la population adulte. Ce sont 255 millions de personnes dans l'Union européenne et si nous regardons nos prévisions, c'est un objectif que nous nous savons capables d'atteindre. Outre les vaccins, l'Union européenne veut également simplifier les déplacements à l'intérieur de son territoire, mais doit faire face aux mesures locales de chaque pays qui tente d'endiguer l'épidémie avec une fermeture de ses frontières. Une épine dans le pied pour les dirigeants européens qui prônent une circulation plus fluide. Concernant les voyages, nous devons respecter l'approche commune dont nous avons convenu. Les déplacements non essentiels peuvent toujours être soumis à des restrictions, mais les mesures doivent être proportionnées. Et nous devons assurer la circulation des biens et des services dans le marché unique en utilisant les voies de circulation dites vertes. Je fais confiance à la Commission pour veiller à ce que ces principes soient respectés. Les avis des dirigeants européens divergent cependant à propos d'un possible passeport vaccinal. Et des pays dont le tourisme est primordial pour leur économie, comme Chypre ou la Grèce, veulent une adoption rapide de ce passeport. Une possibilité aussitôt réfutée par Berlin et Paris, qui jugent une inégalité de traitement. Emmanuel Macron prône un pass sanitaire basé sur des tests négatifs récents. J'attire tout de suite l'attention sur le fait que, quand je dis pass sanitaire, c'est que ça ne peut pas être soumis au vaccin. Parce que si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous. Ce serait invraisemblable. Les 27 ont finalement confié à la Commission européenne la tâche d'élaborer les conditions d'un certificat vaccinal, avec pour objectif de synchroniser les systèmes de santé et les structures douanières de chaque pays. Mais Angela Merkel l'a assuré, le passeport vaccinal ne signifiera pas que ses détenteurs seront les seuls à pouvoir voyager. C'est ici que se referme ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et bon week-end à toutes et à tous.